la princesse des glaces. Vive la princesse Pita ! Qu'est-ce que c'est ? Un petit cadeau pour vous, chère princesse. Je suis Tisserand. L'an dernier, j'ai été très malade. Je n'ai pas pu travailler du tout. Non seulement vous avez payé les frais de mon traitement, mais vous avez aussi envoyé des personnes pour faire tourner mon atelier jusqu'à ce que j'aille mieux. Ah, je me souviens, oui. Cela me fait plaisir de vous revoir. Merci beaucoup, princesse. Voici un châle en soie que j'ai tissé spécialement pour vous remercier. C'est très très beau. Merci mille fois. Quel joli châle! Pourquoi est-elle autant adorée de tout le monde? Elle n'est qu'un être humain! Un être humain frêle et délicat qui ne connaît rien de la magie et ne sait pas jeter des sorts. C'est sûrement parce que c'est une princesse. Elle a de l'or, elle vit dans un palais. Pas étonnant que les gens se pressent autant autour d'elle. J'aurais bien aimé avoir une vie comme la sienne. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, espèce de bonne à rien? Je vous avais demandé de me ramener des toiles d'araignée et vous vous prélassez et vous gaspillez du temps. Ebola, tu as le dîner à préparer. Et Dora, tu n'as pas encore fini de nettoyer la chambre des sorts. Je suis fatiguée de vous. Vous êtes tellement inutile. Je vais finir par vous faire dormir dehors dans le froid si vous ne finissez pas tout le travail avant que le soleil ne se couche. De la part de notre mère, on ne reçoit que des reproches et des punitions. Et regarde-la, elle. La princesse Elisa. Le monde est à ses pieds. Les pauvres sorcières ne comprenaient pas que ce qui faisait qu'Elisa était cette princesse que tout le monde adorait, ce n'était ni sa fortune ni son palais, mais plutôt sa bonté. Comment va-t-il aujourd'hui? Il va beaucoup mieux, princesse. Dans quelques jours, il sera guéri. Le vétérinaire m'a donné cette pommade. Je vais lui appliquer sur la patte. Princesse, vous auriez dû m'appeler, je serais allé chercher le médicament. Pourquoi vous êtes-vous dérangée pour l'amener ici? Est-ce que je ne viens pas jusqu'ici voir Dragonfly quand j'ai envie de le monter? Alors pourquoi je ne viendrai pas quand il est blessé? Princesse, vous avez vraiment une âme très belle et noble. C'est horrible! Tu n'as pas mis de sel ni d'herbe comme je te l'avais demandé! J'ai dû oublier. Je suis fatiguée de votre manque d'attention et de votre fainéantise. Demain, vous nettoierez entièrement la cuisine. Et par là, je veux dire que vous n'allez pas juste faire la vaisselle. Vous allez aussi frotter les sols et laver la gazinière. C'est compris? Mais c'est trop injuste! Ne pleure pas, allez! J'aimerais qu'on soit comme cette princesse Elisa. Tu sais quoi? On n'a qu'à devenir elle. Nous devrions prendre sa place au palais. Oui, mais alors on va avoir besoin d'un sort vraiment puissant que seule maman peut nous donner. Et elle n'acceptera jamais de nous aider, jamais. Je sais exactement comment convaincre maman. Réfléchis-y, maman. Si l'une de nous devient la princesse, imagine tout l'or qu'on pourrait te ramener. Si je devenais la princesse, je pourrais te ramener un sac rempli d'or toutes les semaines. Tentée par la cupidité, la sorcière prépara un sort ultra puissant. Prenez cette potion et... La sorcière expliqua à ses filles comment utiliser la potion sur princesse Elisa. Le lendemain matin, les sorcières attendirent patiemment le passage de la princesse. Et quand princesse Elisa passa par la forêt, elles mirent leur plan à exécution. Une fois la main mise sur la princesse, il était temps de lancer leur super sort. Princesse Elisa, il est temps pour toi d'avoir une nouvelle maison. Perdu dans les profondeurs de la forêt, tu vas errer.
Et tu ne seras plus la bienvenue au palais, parce que l'une de mes filles aura ton visage. Ebola s'apprêtait à boire la potion quand Dora se jeta dessus pour la boire à sa place, tant elle voulait devenir la princesse. Dora, c'était mon idée. C'est moi qui devais devenir la princesse. C'était peut-être ton idée, mais... J'ai bu la potion en premier. Et regarde, regarde comme je ressemble à la princesse. On dirait que... Non, je suis princesse Elisa. Qu'est-ce que vous allez faire d'elle? Elle va se perdre dans la forêt, au point d'en oublier qui elle est. J'ai besoin qu'elle soit vraiment malheureuse. Si elle pleure et qu'elle commence à s'apitoyer sur son sort... Notre malédiction restera permanente. Sinon, le sort s'annulera chaque nuit de pleine lune et tu redeviendras la vraie toi. Ha, je ne suis pas inquiète pour ça. Tous ceux qui errent dans la forêt sans but oublient forcément qui ils sont. Et elle va certainement s'apitoyer sur elle-même. La malédiction sera permanente. Au moment où la tempête de poussière arriva, Dora, devenue princesse Elisa, monta à cheval. Mais souvent, les animaux sentent ce que les humains ne voient pas. Le cheval d'Elisa comprit en un instant qu'elle n'était pas princesse Elisa et le manifesta. Mais qu'est-ce qui cloche chez lui? Oh! Faites quelque chose! Le cheval est devenu fou! Il va me faire tomber! Aidez-moi! Je vais faire partir ce cheval du palais s'il ne se comporte pas mieux! Les soldats et le capitaine furent choqués de voir la princesse Elisa, d'habitude si douce, gentille et bienveillante, se comporter de manière si cruelle. Princesse Elisa adorait son cheval. Elle ne le traiterait jamais de cette façon. Ils ne dirent pas un mot, pensant que la princesse et le cheval étaient peut-être contrariés par la tempête. Fichu cheval! Il m'a donné la peur de ma vie! Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Mes vêtements sont sales, vous ne voyez pas? Apportez-moi des propres et préparez-moi un bon bain chaud! Allez! Les servantes firent ce qu'on leur avait demandé, mais sans pouvoir comprendre ce qui arrivait à leur princesse au bon cœur pour leur parler de cette façon. Quelques jours passèrent. Et tout le monde au palais était de moins en moins à l'aise. Avec le changement soudain qui frappait leur princesse bien-aimée. Ils voulaient en parler au roi. Mais se demander comment faire passer le message en douceur. Et une nuit... Silence! Silence! Je vais te faire jeter dans les donjons si tu n'arrêtes pas ça tout de suite. Ah! Tu ne serais pas si méchante envers ta propre mère, si? Oh, maman! Arrange-toi pour venir à la maison la semaine prochaine. C'est la nuit de pleine lune. Et la princesse n'a pas encore versé une larme ni ne s'est apitoyée sur elle-même. Comment est-ce possible? Moi non plus, je ne comprends rien du tout. Elle est toute seule, dans une forêt profonde et dense. Elle ne se souvient absolument pas de qui elle est. Elle mange à peine. Elle est fatiguée et affamée. Alors pourquoi n'est-elle pas triste? Je ne comprends vraiment pas. Évidemment. Les sorcières ne pouvaient pas comprendre pourquoi la princesse Elisa n'était pas triste et ne s'apitoyait pas sur elle-même. Voyez-vous, c'est le pouvoir de ceux qui sont gentils et pleins de compassion. Peu importe combien ils souffrent, ils trouvent leur bonheur en aidant les autres. Et la joie qu'on retire en aidant les autres est indestructible.
C'est la raison pour laquelle la princesse était heureuse, même si elle était seule, fatiguée et morte de faim dans la forêt. Oh, enfin un fruit! Est-ce que tu as faim? Voilà, tu veux ça? Tu en veux? Tiens, prends ça et nourris ta famille avec. Prends-la. Oh! Voilà. Et quand une personne est véritablement gentille et altruiste, la nature prend soin d'elle et s'assure qu'elle ne sera jamais triste ni seule. Oh, je suis si fatiguée. Quel joli petit bruit! Oh! Cette forêt est tellement magnifique! Oh! C'est le paradis! Pendant ce temps, au palais, Dora remplissait très mal son rôle de princesse. Qu'est-ce que ce caillou fait dans ma boîte à bijoux? Oh! C'est ton objet préféré? Tu l'avais trouvé dans la rivière. Tu ne te souviens pas? Eh bien, je ne l'aime plus du tout. Au fil du temps, Dora devint de plus en plus méchante. Et tout le monde au palais, y compris le roi et la reine, finirent par être certains que cette personne n'était pas la princesse Elisa. Alors le roi alla voir le sorcier le plus puissant de tout le royaume pour tenter de comprendre ce qui n'allait pas. Monsieur, leur majesté, le roi et la reine sont là. Oh! Vous êtes si jeune! J'ai commencé à étudier très tôt dans la vie, votre Altesse, et j'ai appris des meilleurs professeurs. Je connais votre problème, et je vais vous demander de me donner quelque chose qui appartient à la princesse, et auquel elle tient énormément. Ce petit caillou, elle l'aimait plus que l'or et les bijoux! Je vois... Cette personne n'est pas la princesse Elisa. C'est une sorcière. Où est donc ma fille? Elle erre dans la forêt. Je vais faire arrêter cette sorcière et... Ce ne sera pas nécessaire, je pense. Car à la nuit de la pleine lune, qui est dans à peine 3 jours, cette sorcière redeviendra elle-même. Et cela m'inquiète. Ça vous inquiète? La mère sorcière va faire quelque chose pour éviter que sa fille soit découverte. Et si nous faisons quoi que ce soit pour protéger la princesse, elle saura qu'un sorcier la surveille. Et elle pourrait vouloir faire encore plus de mal à la princesse. Attendons et regardons ce qu'elle fait à la princesse pour l'attraper sur le fait. Alamander avait raison. La grande sorcière s'inquiétait pour de bon. Parce que la princesse n'était toujours pas triste et ne s'apitoyait pas sur elle-même. Alors elle décida de travailler sur un autre sort, un sort terrible. Si tu ne peux pas arrêter d'être heureuse, si ton cœur est si chaud que tu ne ressens ni peur ni désolation, alors je vais changer ton cœur et tout ton être en glace. Ton cœur qui est si bon et chaud va maintenant devenir dur, solide et glacé. Tu ne seras plus capable de ressentir aucun bonheur et ma fille vivra pour toujours comme une princesse. La mère sorcière ne savait pas qu'Alamander la surveillait. Alamander attendit que ce fût presque la pleine lune pour s'enfoncer dans la forêt, bravant la tempête de neige, pour arriver jusqu'à la princesse dans la grotte où elle était prisonnière. La lune était sur le point de monter. Alamander jeta un sort si puissant qu'il libéra la princesse et transféra le même sort sur les sorcières. La princesse était enfin libérée. Ma fille! Ma fille chérie! Notre princesse adorée! Vous êtes de retour! Bienvenue, princesse Elisa!
cours de tous mes voyages. Je n'avais encore jamais vu personne survivre à autant de supplices grâce à son bon cœur. Si beau, aimant et bienveillant. Je vous admire vraiment, princesse. C'est trop gentil. Merci. Voilà. Nous pensons que c'est à cet instant que Princesse Elisa et Alamandère ont commencé à tomber amoureux l'un de l'autre. C'était le début de leur histoire d'amour. Mais nous ne pouvons pas oublier que les sorcières avaient fait preuve d'un grand pouvoir. Resteront-elles de glace ou seront-elles capables de se libérer pour venir embêter la Princesse Elisa à nouveau ?